Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur nos gym en ligne. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis contente de vous retrouver dans une capsule vidéo pour faire un exercice pour travailler les abdos. Sachez que cet exercice est tiré d'une séance complète, en fait, où on a fait 4 exercices pour les abdominaux qui a été précédemment publié. Si jamais vous avez le temps d'en faire plus ou vous avez envie d'en faire plus, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en description, soit là ou là, pour écouter la séance complète. Avant de vous installer, coucher soit au sol ou dans votre lit, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime sur la vidéo. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes pour être mis au courant de toutes les nouvelles vidéos qu'on va publier et également pour nous envoyer vos suggestions d'exercices ou de capsules vidéo. Et je vous invite à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, installez-vous bien, on fait l'exercice juste après cette intro. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, comme toujours, je dois rappeler que les exercices que je donne sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à votre condition, à vos capacités. Peut-être que vous vous êtes fait dire de ne pas faire certains exercices. Si c'est le cas, il faut écouter le professionnel qui vous a dit ces choses-là parce qu'il vous connaît. Moi, je ne vous connais pas. J'aimerais bien vous connaître, mais on a un écran qui nous sépare, donc je peux pas vous voir. Je peux pas voir comment se passent les exercices. Également, si jamais vous avez de la douleur, hein, vous pouvez essayer de les modifier. Vous pouvez essayer de les faire un petit peu différemment, aller moins loin. Puis si jamais la situation ne se règle pas, faites pas les exercices. Et si vous avez des questionnements, si vous voulez faire les exercices, mais ça ne fonctionne pas nécessairement comme vous voulez, bien sachez que je donne des services en ligne où l'on peut vraiment se voir quand même, et sinon des services à domicile ou en clinique. Donc, vous pouvez m'appeler ou m'écrire. Mes coordonnées sont en description de la vidéo. OK, maintenant, on va aller travailler pour faire les obliques, les rotations. On va faire bonjour Pixie, on va faire comme si on faisait des yeux suffi-glace mais avec les jambes. Pour ceux qui veulent le faire, qui ne peuvent pas le faire avec les jambes, faites-le avec les bras, vous allez faire comme ça, un côté et de l'autre, et on s'installe, donc on lève un peu les jambes et on contrôle d'un côté et de l'autre comme ça, et on travaille en rotation. On ne lâche pas. Ça me fait bouger sur mon tapis. Je me stabiliser. Je voulais pas me stabiliser avec les bras, mais j'ai pas le choix. Sinon, je vais sortir du cadrage de la caméra dans pas long. Faites attention si vous êtes dans votre lit. Peut-être que ça va bouger un peu moins si votre lit est moins ferme. Excellent. Ouh! C'est un petit peu plus cardio celui-là, on mobilise les jambes, hein? C'est plus difficile, on utilise plus de muscles également. C'est parti, on lâche, on a presque terminé. Et on contrôle. On va en rotation. Donc on va vraiment chercher, je ne sais pas si vous le sentez, le bas des abdos aussi parce qu'on a nos hanches en flexion. Et vraiment une rotation, ça fait même du bien. Ça mobilise. Ouh, c'est quand même assez complexe. Là, si c'est vraiment difficile, ce que vous pouvez faire, c'est aussi le faire comme ça et travailler en appui. Ça va être un petit peu plus. Ça va être en chaîne fermée. Ça risque d'être un petit peu plus facile. Vous allez pouvoir utiliser un petit peu plus les muscles des hanches pour faire le mouvement. Ouh! Il est plus difficile cet exercice. Donc, c'est ça, vous pouvez le faire comme ça. Si c'est trop difficile aussi, il commence à avoir de la fatigue. Hein. C'est normal qu'à ce moment-ci de la session, là, il y ait de la fatigue. Allez, il en reste juste un. On y va. C'est parti. On y va en contrôle. C'est presque comme si on faisait du ski. Ouh! Jamais vos jambes sont droites, hein, c'est pas très grave. Le but, c'est qu'on veut tourner. Même les jambes pourraient être comme ça. Là, je vous montre des alternatives si jamais vous avez de la spasticité. C'est difficile. Comme je vous le dis souvent, faites-le de la façon que vous êtes capable de faire. Excellent! J'espère que vous avez aimé l'exercice et peut-être que ça vous a donné le goût d'en faire plus. Et
Si c'est le cas, ben vous pouvez cliquer sur le lien en description pour voir la séance complète. Vous pouvez aussi choisir d'autres petites vidéos comme ça, d'exercices uniques pour faire votre propre programme d'exercice selon vos besoins ou prendre différentes séances. Vous avez une panoplie de vidéos d'exercices qui visent différents objectifs sur nos différentes plateformes. Donc, pour vraiment avoir accès à tout ça, là, puis être mis au courant de toutes les nouvelles vidéos, je vous invite à vous abonner, à nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Comme ça, vous pourrez voir toutes les vidéos. Et vous pouvez aussi nous écrire si vous avez des demandes spéciales, des besoins spéciaux, des suggestions. Ça va nous faire plaisir de faire des vidéos pour ça. Sur ce, ben, je vous dis un grand merci de nous suivre, de faire les exercices avec moi. J'espère que vous appréciez. En tout cas, nous, on apprécie beaucoup votre soutien et votre support et de faire des exercices avec vous. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée et j'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir!